Bonjour et bienvenue à tous pour cette campagne de sensibilisation à l'autisme 2022. L'opération Chaussette Bleue se fait cette année de manière virtuelle et en présentiel. Nous avons une série de vidéoconférences sous la thématique de l'autisme présentée par Marco Di Duca. Aujourd'hui, suite aux trois précédentes vidéos, nous allons aborder les intérêts spécifiques. Je sais que la notion d'intérêt spécifique, c'est une notion qui fait débat dans les troubles du spectre de l'autisme, certains insistant très fort sur le fait qu'il doit y avoir, je mets des guillemets à doigt, des intérêts spécifiques lorsqu'on parle d'autisme, et puis d'autres, notamment ceux qui défendent, peut-être un jour on y reviendra, le modèle féminin de l'autisme, disent mais non, finalement les intérêts spécifiques sont bien moins souvent présents, notamment chez les femmes Asperger. D'abord, je trouve qu'il y a un piège derrière la notion d'intérêt spécifique ou d'intérêt restreint, qui est un peu le piège du syndrome du savant. C'est-à-dire qu'on confond souvent la notion d'intérêt spécifique que présentent les personnes autistes avec un don, une espèce de douance. Et d'ailleurs, on a tendance, de manière parfois un peu caricaturale, à se rappeler, à nommer, à identifier l'autisme à travers des personnes qui ont un don particulier, souvent noble. Hein. Alors, je suis désolé de revenir avec ces caricatures, mais Redman, c'est cette capacité à compter le nombre d'allumettes ou de cure-dents qui sont tombés. Good Doctor, c'est cette capacité à identifier de manière visuelle le corps humain, etc. etc. Et très vite, on va avoir effectivement des intérêts spécifiques qui ont un côté qui sont, c'est moi qui qualifie ça de un peu noble, hein, la physique, les mathématiques, l'apprentissage des langues, l'informatique, des choses où on imagine que les personnes présentant de l'autisme excellent. Et parfois, alors, on entend des réflexions inverses chez les personnes, chez les patients eux-mêmes, d'ailleurs. Hein, beaucoup de gens que je reçois pour la première fois me disent « Je ne sais pas si je présente de l'autisme parce que je ne suis doué pour rien. Hein, » Donc, on arrive à une réflexion qui est complètement inverse. À côté de ça, il y a moi, ce que je vais appeler les intérêts spécifiques. Je mets toujours des guillemets un peu saugrenus. Des collectionneurs un peu improbables. On collectionne les pièces rares de Lego. On connaît l'immatriculation de toutes les locomotives du 19e siècle, etc. etc. C'est important et beaucoup insistent, je pense à Laurent Motron par exemple, qui disait, je crois que c'est lui, qui disait « Attention, la nature de l'intérêt dépend aussi du contexte. Si la personne grandit dans une famille de musiciens, ben assez naturellement, la musique peut apparaître comme étant un intérêt plus facilement abordable. » Il y a l'intérêt aussi au-delà du contexte familial, du contexte élargi. Beaucoup d'adolescents ou d'adultes aujourd'hui présentent la pratique du jeu vidéo comme un intérêt, ou vous savez comme moi, Flora, que plein d'adolescents sont fans du Japon, des mangas et oui, ça, je des confirme. Animés. Mais on peut être autiste et ne pas être fan de mangas et de jeux vidéo. Je tiens exactement, à préciser. Exactement. Tous les mathématiciens ne sont pas autistes. Tous les collectionneurs de trains ne sont pas autistes. Tous les fans d'animés, etc., ne sont pas autistes. Donc, la nature de l'intérêt, même si on a tendance à insister là-dessus, n'est pas nécessairement la bonne question à se poser. Je pense que la question principale de l'intérêt spécifique, c'est sa fonction. C'est bêtement de se poser la question pourquoi la personne a un intérêt spécifique. À quoi ça lui sert? Quelle est la fonction de cet intérêt? Et à là, ça prend une dimension tout à fait différente. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent vous consulter ou qui viennent à Autisme en Action. Je voudrais quand même qu'on précise que si une personne n'a pas d'intérêt spécifique avéré, qu'elle continue quand même le processus, ça n'est pas une obligation. Hein. On est d'accord. Alors, il y a des personnes qui sont dans un état où ils n'arrivent pas à avoir des intérêts, soit la fatigabilité, la dépression, des choses comme ça qui font que, oui, avant, ils avaient des intérêts, mais non, ils n'en ont plus. Est-ce que, comme je ne m'intéresse plus à rien de rien, est-ce que ça vaut la peine
que j'approfondisse le diagnostic. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ça a été un peu abordé dans la vidéo à propos du burn-out, de la dépression, etc. C'est un indice de burn-out, de dépression chez les personnes qui présentent de l'autisme. C'est, pas uniquement chez elles, mais en particulier chez elles, c'est la perte du plaisir ou de l'apaisement tiré de la pratique de l'intérêt. Ça, c'est clair. Mais vous avez raison d'insister, c'est que beaucoup de personnes qui présentent de l'autisme ont des intérêts et parfois même sans s'en rendre compte. Et j'insiste parce que c'est la fonction qui est importante, ce n'est pas la nature. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas collectionné les dinosaures quand elles étaient petites qu'elles n'ont pas surinvesti la lecture parce que c'était quelque chose qui leur permettait de s'isoler, qui leur permettait d'avoir une activité seule, qui leur permettait de se focaliser, qui leur permettait de s'apaiser. Lorsque vous avez des personnes autistes avec une déficience intellectuelle qui sont, entre guillemets, fascinées par un jeu, qui vont passer des heures à regarder une bille qui suit le même chemin, c'est un intérêt spécifique. Et là, la fonction de l'intérêt, elle est très claire. Elle permet à la personne de s'apaiser. Elle est ce que d'autres vont appeler, ce que moi je peux appeler un état modifié de conscience. Elle est véritablement dans une dynamique d'auto-hypnose. Et quand vous explorez ça avec les personnes qui présentent de l'autisme sans déficience intellectuelle, vous observez la même chose. Elles vont pratiquer un intérêt qui va leur permettre d'atteindre cet état modifié de conscience. Peu importe la nature de l'intérêt, ça peut être d'explorer des choses sur Internet. Hein, beaucoup disent, mais voilà, moi j'ai passé 3 heures, je croyais y avoir consacré 30 minutes. Elles sont complètement dans cette passion. Ça peut être faire des gâteaux, des gens qui vont y trouver un intérêt tout entier. Voilà, peu importe la nature de l'intérêt. Cela étant, c'est pas la seule fonction. On constate aussi que chez un certain nombre de personnes qui présentent de l'autisme, la pratique de l'intérêt est associée aussi à certains stimuli sensoriels. Un exemple que je prends souvent, c'est quelqu'un que j'accompagnais qui adorait tisser la laine. Beaucoup de personnes autistes, d'ailleurs, aiment tricoter. Mais oui, elles ont un rapport à la laine qui est très sensoriel. Il y a l'odeur, il y a le toucher. Le toucher. Et le mouvement, quand ça passe dans les doigts, c'est très agréable. Tout à fait. Et quand on tisse la laine avec le rouleau, il y a une rythmique. Un rythme. C'est et comme là, il y a un rythme, tout un stimulus visuel qui est présent. Donc, vous avez à la fois la nature, la fonction de l'intérêt, puis l'intérêt et sa nature sensorielle. Et quand vous réfléchissez comme ça, évidemment, vous percevez que chez beaucoup, voire chez toutes les personnes qui présentent de l'autisme, il y a un moment donné quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt spécifique. Mais ça n'est pas une maîtrise de quelque chose. C'est là-dessus qui me semble important d'insister. C'est que peu importe que l'enfant connaisse tous les noms des dinosaures, mais le fait qu'il joue toujours avec ses dinosaures, qu'il regarde toujours ses livres de dinosaures, même s'il ne se souvient pas du nom des dinosaures et qu'il ne parle que de ses dinosaures, ça devient un intérêt spécifique. C'est là où se trouve une nuance importante. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes qui présentent de l'autisme, et notamment des femmes, disent « mais moi, je n'ai pas un intérêt ». Je passe assez fréquemment d'un intérêt à l'autre, mais à chaque fois, j'investis l'intérêt comme si c'était ma passion, passion la plus importante. Et c'est vrai. Et parfois, d'ailleurs, de manière avec des effets négatifs, parce que ça coûte très cher, parce que tout à coup, je pense à quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui me disait moi, pour le moment, j'ai la passion pour les ongles, et donc j'ai 250 vernis de couleurs différentes. Mais évidemment, mais elle sait qu'après 2 mois, elle passera à autre chose. Donc, à chaque fois, ça lui coûte énormément d'argent. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir bien ça à l'esprit. Un, vous avez raison, Flora, de dire, c'est pas parce que je n'ai pas d'intérêt sur le moment que la démarche diagnostique ne mérite pas d'être approfondie parce qu'il y a des tas d'autres éléments. Ça, c'est une chose. Et qu'il y a des tas d'éléments qui peuvent expliquer qu'il n'y a pas d'intérêt sur le moment. Deux, il ne faut pas confondre l'intérêt avec
un don. C'est-à-dire que je peux être intéressé par des choses qui sont banales et qui ne sont pas nécessairement valorisables. Je peux être passionné de choses qui ne me rapporteront jamais de l'argent et qui socialement ne rapporteront jamais de l'argent. Il faut aussi se dire que c'est pas parce que c'est un intérêt pour moi que je vais y briller. Tu vois, là, il y a des tas de personnes qui sont très investies dans les jeux vidéo, mais sur la planète, il y a quand même que quelques personnes qui en vivent. J'ai une question, Marco. Quand on parle oui. des intérêts, on a souvent l'idée que les personnes qui ont un intérêt s'y investissent énormément et deviennent des experts dans ce domaine-là. Ça peut être vrai dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça peut être à un certain niveau, je parlerai de volume, où on va un intérêt jusqu'à un certain point et puis on stoppe et on passe à autre chose parce qu'on a acquéri le savoir qu'on souhaitait avoir ou le bien-être que cet intérêt pouvait nous procurer. J'ai souvent entendu qu'il y a l'amalgame entre un intérêt très pointu, très restreint et avec une spécialisation dedans. Ce n'est pas forcément le cas non plus. Non, non, tout à fait. Il y a trois choses. J'ai essayé d'expliquer, peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair par rapport à ça. Il y a une série de personnes qui présentent de l'autisme et qui vont insister très fort sur la notion de maîtrise. Et effectivement, ça s'explique par ailleurs, hein, et notamment par cette tendance à analyser beaucoup les choses, à comprendre les choses, à devoir contrôler le savoir et l'environnement. Et donc, ces personnes vont jusqu'au bout et ont besoin d'aller jusqu'au bout des connaissances. Et si cela est possible, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement que, de mon point de vue, le fait de ne pas être jusqu'au boutisme dans la maîtrise d'un sujet ne signifie pas qu'on ne présente pas un intérêt spécifique, parce que cet intérêt spécifique, il doit servir d'abord, de mon point de vue, à apaiser, à organiser sa vie, à avoir une activité qui permet d'être focus sur quelque chose, de parfois s'isoler de trop de stimuli, et pour d'autres, d'amener des stimuli sensoriels apaisants. Donc, la notion de maîtrise est une notion qui, pour moi, est piégeuse, d'autant plus que si on la fait coexister avec une idée de il y a des intérêts qui sont plus ou moins nobles, et là, on alimente la représentation sociale un peu caricaturale qu'on associe à l'autisme. Ces intérêts spécifiques, quand on vous entend, on voit très bien qu'ils ont une fonction qui apporte, qui régule, qui apporte du bien-être et tout. C'est un peu à contre-courant de ce que l'on entend, enfin, ce que les spécialistes préconisent auprès des familles et des enfants, où on essaye, où la demande est souvent de « Ah, mais toujours dans ses intérêts, il faut absolument que je le sorte de là, qu'il fasse autre chose, je lui enlève la tablette, je lui enlève ses jeux pour obtenir ce que je veux et tout. » Donc ça, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce que si on vous écoute, et avec l'expérience et des choses qu'on a constatées, c'est que ça a une nécessité qui est extrêmement réparatrice pour la personne autiste. Tout à fait. Il y a parfois un équilibre à avoir. Je suis bien d'accord avec vous, Flora, sur le fait que supprimer l'intérêt au nom du fait que ça isole la personne est sans doute la moins bonne raison. Quand la personne qui présente un TSA, la personne autiste, je mets des guillemets, se réfugie dans son intérêt, elle se ressource. Donc, l'empêcher de se ressourcer, ça n'a pas de sens, parce qu'effectivement, si elle le fait, c'est parce qu'elle est en surcharge. Souvent, je propose d'ailleurs aux familles d'adolescents ou d'enfants qui les trouvent très difficiles quand ils reviennent de l'école, je leur dis, mais non, il faut créer un sas. L'école a été très fort, très sollicitante en plein de choses. Une manière de créer un sas, c'est notamment de pratiquer son intérêt. Là où je peux entendre l'équilibre à trouver, c'est qu'il y a parfois une frontière difficile à identifier entre l'intérêt spécifique et puis l'addiction. C'est une vraie question autour de la pratique des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça n'est plus de l'intérêt, ça devient une espèce de piège addictif. Se réfugier dans sa chambre pendant 3 heures pour pratiquer un jeu vidéo, c'est une chose. S'y réfugier pendant 3 jours, c'en est une autre. Et donc, c'est cette nuance-là, évidemment. Donc, à la fois, je comprends hein, la crainte de parents ou la crainte de conjoints. Après, là, il y a vraiment un accompagnement à réaliser pour justement trouver la juste proportion et veiller à ce que la personne elle-même
puisse se donner quelque part des limites. Une piste que moi j'explore souvent, c'est de trouver d'autres intérêts qui amènent de l'apaisement. Donc on peut changer un intérêt spécifique qui peut être trop envahissant ou qui peut avoir des effets néfastes, mais pas le stopper, plutôt proposer un autre intérêt, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Bien sûr, l'arrêter de manière frontale amène rarement un effet positif, pas de changement. Réfléchir à la fonction, l'intérêt, ce qu'il apporte, et trouver une activité, une alternative qui va avoir la même fonction, permet de diminuer la pratique de certains intérêts. C'est assez simple, hein, comme logique, mais ça fonctionne plutôt bien. Tout à fait, merci pour ce conseil précieux. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont le suivre, donc ne pas stopper. Si jamais un intérêt spécifique pose problème, plutôt proposer une alternative, y réfléchir et surtout voir à quoi ça correspond, hein, à quel besoin ça répond, et puis essayer de trouver quelque chose de plus pratique ou plus consensuel pour la vie de famille qui puisse permettre une vie avec les autres et aussi ne pas être néfaste pour la personne, quoi. Ça, c'est clair. Tout à fait. C'est des sujets qui sont vraiment souvent abordés et ça concerne aussi bien les enfants que les adultes. Je tenais quand même à le signaler. Et bien insister, hein, je terminerai peut-être là-dessus, sur le côté très thérapeutique de la pratique de l'intérêt, en particulier lorsque les personnes, que ce soit adultes, enfants ou adolescents, sont dans des périodes un peu plus compliquées, un peu plus surchargées, un peu plus de burn-out. Souvent, la pratique de l'intérêt est une excellente thérapeutique pour retrouver de l'allant, de l'envie. Il s'agit souvent d'accompagner les gens, par exemple, à recréer un rythme quotidien qui soit plus sain, mais à travers ou autour de la pratique de l'intérêt, parce qu'il y a une double motivation et un double bénéfice. À la fois, on retrouve un rythme et en même temps, on retrouve progressivement le plaisir qui est lié à la pratique de cet intérêt. Merci Marco pour toutes ces informations précieuses. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à très bientôt pour nos prochains podcasts et vidéoconférences. Merci et bonne soirée Marco. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrenées tout le mois d'avril. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, Autisme en Action, notre chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt, au revoir.